Ce symbole, c'est le feu. Ce qui est logique pour une forge. Et celui-là pourrait être un marteau. Héphaïstos possède le marteau le plus puissant jamais fabriqué. Ce glyphe, je crois qu'il représente la forge. Et celui-là correspond à la statue dehors. Est-ce que ça ne serait pas des indices ? Héphaïstos, tu es là? C'est comme si la forge m'avait appelé. Je n'ai pas pu résister. À ce propos, j'ai dégagé les conduits, allumé les feux et fait tourner les roues hydrauliques. J'ai même débloqué d'étranges glyphes à l'intérieur, mais il ne s'est rien passé. Eh bien, j'en ai parlé à mes mains, comme chacun fait, et elles m'ont dit qu'elles étaient essentielles à l'opération. Elles doivent toucher des choses. Toucher. Zeus. Cet endroit est très ancien. On dit que tu as construit cette forge tout seul. Moi ? Mais elle est si terne, si sale. Sans parler de l'éclairage. Attends, on ne sait pas ce que ça va faire. Aussi médiocre. Le passé du dieu boiteux est un cloaque. Son seul avenir, les feux purificateurs de la forge. Va-t'en, laisse-le brûler dans ses propres flammes. Héphaïstos, va-t'en. Ta stupidité dépasse de loin ton potentiel. Dommage que je doive rétablir l'équilibre.
Héphaïstos, montre-toi. Oh, tu n'as rien. Qu'est-ce que c'est? Il y a tant de souffrance dans ces marques, de chagrin, de douleur. Du grand art. Je crois que tu as essayé de nous laisser un message. Moi? Comme c'est avant-garde. Tu as sûrement laissé un indice pour retrouver la mémoire. Quelque chose d'incompréhensible pour Typhon. Tu peux déchiffrer ça? C'est incomplet. Héphaïstos, tu es un génie! Il manque un morceau. Bon, où est-ce que j'ai mis ça? Ce n'est pas ta signature, Héphaïstos, c'est le reste de l'énigme! Un marteau, un feu de forge, la statue et cette boîte! Est-ce que tu sais ce que c'est? Naturellement, il l'ignorait, mais tous deux étaient en présence de la boîte de Pandore. As-tu osé encore l'ouvrir sur ce sujet, toi? Si je t'ai enchaîné à ce rocher, c'est pour avoir offert le feu aux mortels. Et la boîte de Pandore, tu sais ce que c'est? C'est leur châtiment. Tu as obligé ton fils Héphaïstos à forger une boîte capable de leur infliger tous les malheurs du monde? Elle est belle, ta justice. Héphaïstos a été ravi de s'exécuter. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il n'a fait ce que tu lui ordonnais que parce que toute sa vie, tu n'as eu cesse de le torturer. Bon, tu arrêtes de parler de mon fils. Si Pandore a ouvert cette boîte, c'est par curiosité innocente. Toi, tu as agi par mépris. C'était un avertissement, et regarde ce qui s'est passé. Les mortels se sont entretués et ils ont ravagé le monde. Comme quoi, l'avertissement était insuffisant. Mais c'est terminé, tout ça. Ils sont transformés en pierre, on va être tranquille. La boîte de Pandore a été le début de la fin. Bon. Avant tout, il nous faut un marteau. J'ai. Où est-ce que... Bon, peu importe. Je crois que ton ancien toi veut qu'on applique à ce marteau le pouvoir de la forge et... que l'on passe par là. C'est bien, moi, ça. Si je comprends bien, ton essence est en dessous. Mais ce n'est pas tout. Je t'ai dit ce que c'était, ça. Oui, une boîte. Non. Enfin, si. Mais elle a aussi renfermé toutes sortes de souffrances. Assez pour en remplir le monde. Et tu as souffert, Héphaïstos. Beaucoup souffert. Chassé du sommet de l'Olympe, rejeté, seul, malgré toute ta générosité et malgré tous tes efforts, tous les dieux t'ont rejeté parce que tu étais différent. Cette boîte est le dernier indice. Typhon t'a volé tes souffrances, et c'est pour cela que tu n'as plus de souvenirs. Alors, pour retrouver la mémoire et retrouver mon talent... Tu vas devoir ressentir les souffrances qui ont été enfermées. Vas-y,